Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver dans une petite vidéo make-up blabla. Oui, j'avais envie, ça faisait longtemps. Et du coup, let's go. Sur mon teint, j'ai testé aujourd'hui avec le Beauty Blender le fameux Backstage, Dior Backstage que j'avais eu en miniature pendant la soirée Gold. Je vous remettrai ici la vidéo Gold. Du coup, je l'avais demandé. Et ma foi, j'aime pas mal du tout ce fond de teint. Après, est-ce que c'est la révélation? Je ne sais pas. Je vais voir. En revanche, gros coup de cœur pour le Bondi Sway, le concealer que j'ai mis aujourd'hui, que j'ai acheté à Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Honnêtement, je l'aime beaucoup, c'est un teint de porcelaine. Je trouve qu'il est même, il floute mes pores, ce qui ne m'était jamais quasi arrivé depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai fait mon teint déjà comme je vous l'ai dit. J'ai utilisé sur les sourcils ce petit crayon à sourcils Make Up Revolution que j'adore. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, j'ai quand même passé au teint. Alors, le soleil vient et part, hein, vous me pardonnerez. J'ai décidé de vous présenter pour le teint deux produits Tarte. Celui-ci, je l'ai acheté à la soirée Gold encore une fois, donc c'est l'occasion de tester pas mal de produits de la soirée Gold. C'est le Park Avenue Princess, comme ça, qui est cette fois-ci un peu irisé. Je me suis plantée quand je l'ai pris, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est parti. Donc, dans ce make-up là-bas, j'avais envie de vous parler un petit peu de choses que j'avais vues sur les réseaux sociaux. J'ai vu la dernière vidéo de Marion Caméléon. Enfin, d'ici là que ma vidéo soit en ligne, ce sera pas la dernière, mais celle où elle fait un Get Ready With Me. D'ailleurs, j'ai adoré sa photo de miniature. Elle se grossit et tout pour faire genre avant-après. Je trouvais ça rigolo, un peu original et tout. Et elle parle de la fameuse night soirée de Sephora, qui était une soirée organisée pour les influenceuses. Et du coup, elles avaient le droit à, je sais plus, 3 ou 5 minutes dans le magasin à prendre les produits qu'elles voulaient, etc. Et qu'il y avait eu beaucoup de réactions par rapport à ça sur les réseaux, que les gens avaient trouvé ça pas terrible, que Sephora organise ça alors qu'elles avaient déjà plein de produits et qu'en plus on leur permettait de faire ça. J'avoue qu'en tant que Gold, j'adorerais. Hein, j'adorerais. Et si j'avais été sélectionnée dans les influenceuses pour le faire, bien sûr que je l'aurais fait. Hein, ça serait quand même cracher dans la soupe de dire que je l'aurais pas fait. Non, 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 je l'aurais fait, j'aurais participé avec plaisir. Et comme elle le dit bien dans sa vidéo, on se nourrit pas. Alors elle, c'est son métier, donc moi c'est pas du tout mon métier. Donc quand j'ai des produits gratuits, j'en suis ravie et ça me suffit amplement. Mais elle, c'est pas son cas. Donc elle le dit bien, on se nourrit pas de palettes de maquillage, etc. Donc ça, c'est des petits bonus pour eux, mais voilà. Et puis leur carte cadeau de 250 euros, je crois, chez Sephora, c'est cool aussi, hein. Non, mais honnêtement, je la jalouse. J'aimerais bien qu'on fasse ça pendant les soirées Gold, hein. Ça serait cool, Sephora, si vous pouviez faire ça pendant les soirées Gold, ce serait sympa. En blush, donc c'est le Tarte First Class, qui est un mini blush comme ça. J'utilise très peu parce qu'il y en a un autre que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà présenté 50 000 fois. Vous pardonnerez mes cheveux qui sont désastreux, mais en fait j'attends là d'ici peu ma commande Amazon, le Steam Pod. J'ai enfin craqué pour l'avoir. Du coup, bah j'ai lavé mes cheveux, mais j'ai pas mis de produit dessus parce que je voudrais les lisser. Donc vous verrez le résultat, je pense, sur Instagram très très vite, dès que je l'aurai fait, dès que j'aurai pu tester. Donc là, j'attends et je vais me lisser les cheveux, je pense, tout à l'heure quand je l'aurai. J'ai oublié de préciser sur mes lèvres, cette fois-ci j'ai mis le petit Givenchy, je l'adore celui-là, le rouge Perfecto 01 Perfect Pink. C'est vraiment un léger rosé, il picote un peu les lèvres histoire de repulper un peu vos lèvres. J'utilise pas tous les jours parce que j'ai peur que ce soit pas forcément extrêmement bon pour mes lèvres, le côté un peu boum là, mais j'aime bien l'utiliser quand même régulièrement, surtout que j'ai les lèvres un peu abîmées, donc il fait un peu soin et en même temps repulpeur, donc je l'aime beaucoup. Je l'avais reçu de la part de la marque dans un énorme colis et je vous avais parlé dans un make-up blabla justement. Bon, en revanche, pour le teint, j'ai envie de tester ça, que je me suis acheté à Creux de Vat, donc pareil, Make-up Révolution, c'est le Liquid Highlighter, la teinte Liquid Starlight, mais honnêtement, j'ai peur de me rater, j'ai peur. Ça se présente en pipette comme ça. Je sais pas trop comment l'utiliser. Je vais peut-être le mettre sur mon Beauty Blender. Bon, bah ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd, mais est-ce que ça s'estompe bien? Ouh là là, c'est bizarre. Peut-être qu'avec le Beauty Blender, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, comme vous voyez, ça fait patchy. J'ai l'impression que j'arrive pas à estomper. Je crois qu'avec le Beauty Blender, c'est pas la meilleure idée. Je pensais que ça allait pouvoir s'estomper facilement puisque c'est une texture liquide. Mais pas du tout. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça se met. Si vous le savez, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Mais là, pourtant, j'ai vu des filles qui disaient que c'était leur favori. Donc, peut-être que je l'utilise mal.
Je vais rajouter quand même par-dessus parce que je trouve que c'est pas terrible terrible. Celui-ci que j'adore vraiment beaucoup, le Blushing Hearts en teinte Iced Earth. Je l'aime beaucoup celui-ci et je sais qu'il fait un très très bel effet. Donc on va rester sur des choses que je connais hein, pour le teint. Alors pour tout ce qui est yeux, aujourd'hui j'avais envie de tester la Huda Beauty Orange, donc la Néon. Et peut-être un Fenty dans les Fenty que j'ai acheté pendant la soirée Gold. Hein. Donc je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, et je voulais aussi tester les pinceaux BH Cosmétiques dont je vous avais parlé dans dans un de mes derniers hauls. Que les versions, pas les gros pour le teint, je vais tester ceux qui sont pour les yeux. On va voir ce que ça donne en espérant que j'en ai assez. Si, ceux pour les yeux. Ils ont l'air pas mal du tout en tout cas. Alors comme j'ai un haut noir et rouge un peu bordeaux, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Bon, la pigmentation est là. Hein. Je voulais réagir aussi à la vidéo de ma copine Hello, dis-moi tout, qui a fait dans un maquillage blabla un petit peu comme ça. Elle a parlé des dress-lits, tout ça et tout ça. Des partenariats, temps de VS réalité. C'est vrai que moi j'en fais de temps en temps, j'en fais pas tout le temps. J'en avais fait 2 fois par an à peu près, et là je vais en faire un petit peu plus. Je fais pas ça parce que je sais que vous êtes nombreuses à suivre Elodie et à me suivre moi. Je fais pas ça parce que ça rapporte des vues, etc. Parce que non. Ça, pour moi en tout cas, ça fait pas plus de vues que d'habitude, hein, c'est pareil. Je fais autour de 2000 vues, comme pour ma vidéo à peu près traditionnelle. Donc c'est pas pour les vues que je fais ça. J'aime bien recevoir, tester et recevoir ces produits-là parce que ben, au moins ça me permet de me faire une idée par moi-même, de vous en parler. Et moi, j'adore regarder ce genre de vidéos quand ce sont des filles rondes, à grande taille, parce que ben, forcément, on va dire que ça me ressemble plus et du coup, ben, ça me parle plus. Regarder les attentes versus réalité des filles qui font du 36, pour moi, il n'y a aucun intérêt, donc je les regarde pas spécialement, sauf si je veux savoir un avis sur le site ou quoi. Mais c'est tout. Donc moi je fais pas ça pour les vues parce que c'est pas du tout le cas. Et alors sur ces sites-là, effectivement, Elodie, elle parle de conditions à respecter, etc. Oui, mais souvent, dans les partenariats comme ça, où on nous propose, voilà, vous achetez sur le site tant, et vous avez telle condition, telle condition, telle condition, surtout les sites asiatiques, moi je vous avoue que les conditions, je les respecte pas vraiment. Ça m'empêchera pas de dire mon avis. Si vraiment on me demande de dire un truc particulier, là j'accepte pas. Mais quand on me dit oui, s'il y a un problème avec tel produit, vous nous le dites et tout avant. Non, mais moi c'est le but de la vidéo, c'est de dire ce que je pense, donc je fais ma vidéo et la preuve c'est que Dressily par exemple, j'ai dit dans ma vidéo, je vous la remettrai ici si vous l'avez pas vu, il y avait beaucoup de coups de cœur et c'était la vérité. Et la preuve, je vous ai posté plein de photos sur Instagram parce que j'aime vraiment ces tenues. Et la preuve encore, c'est que j'en porte encore aujourd'hui, hein, c'est voilà. Mais il y a eu deux choses, il y a eu un pantalon, je crois, que j'ai pas aimé, et je sais plus s'il y avait autre chose. Mais bref, par exemple pour ce pantalon que j'ai pas trop aimé, bah j'ai dit, j'ai pas aimé la matière, je le recommande pas, etc. Et Dresslily ne m'en a pas du tout porté préjudice, ben, ils étaient d'accord, ils étaient contents de ma vidéo. Enfin, voilà quoi, enfin, donc ça veut dire qu'on peut quand même dire ce qu'on veut et les sites ne sont pas non plus fermés à la parole. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Donc comme d'habitude, moi je vous le dis à chaque fois, je gagne absolument rien quand je fais des partenariats comme ça. De toute façon, je ne demande jamais d'argent encore une fois. Quand je reçois des produits gratuits et tout, j'en suis pas à ce stade-là, je suis pas assez... J'ai pas le temps pour me pencher sur cette histoire-là, de demander de l'argent, etc. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas du tout mon cas. Mais est-ce qu'un jour je demanderai, peut-être pour certains posts Instagram, j'aimerais bien des fois avoir des rémunérations parce que je vous avoue, pour les posts Instagram, je me casse la tête des fois. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Donc on verra quand ça viendra, etc. Enfin, c'est pas trop 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 grave. C'est pas urgent, on va dire ça comme ça. Là pour l'instant j'ai utilisé les deux là un peu orange et je pense que je vais utiliser un petit peu ce jaune trop mignon au milieu là, jaune un peu pêche pour estomper ici. Mais la pigmentation est là, hein, faut... Ouh! Ça fait un petit teint, enfin des petits yeux un peu, voilà, couleur de l'été, c'est sympa. Ça pète, hein, quand même ça pète. Des fois j'aimerais bien faire des make-up un peu plus recherchés comme Marion Calvileo, mais je n'ai absolument pas le temps, puis je pense que j'aurai pas encore le truc non plus. Mais bon, j'ai pas encore la technique, je pense, hein, je suis pas une pro. Bon, j'ai absolument pas pris de base en plus pour tester les paillettes, mais on va voir ça. On va voir ça quand même, c'est pas grave. Je vais faire avec mon doigt, je pense que je vais prendre soit le orangé là qui est ici, qui a l'air onctueux, ou celui-ci, le petit rose là, je vais voir. Et je pense que je vais mettre en coin interne le petit jaune fluo là. Faire un mélange entre le rose et le orange.
J'aurais dû prendre ma base, je pense, Fenty, parce qu'elle est vraiment sympa. Je vous l'avais présentée dans je ne sais plus quelle vidéo aussi, et j'aime bien. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Le petit orange, là, c'est pas mal. Je suis contente quand même d'en avoir acheté qu'une, parce que je sais que si j'avais acheté les trois, je n'aurais pas tout utilisé. Hein. Même si la rose et tout, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, voilà, je suis sûre à 70% que j'avais pas tout utilisé. Donc au quotidien, surtout qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, pour me maquiller, donc bon. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu mon dernier vlog, donc maîtresse. Là j'ai plein d'idées, comme je vous ai dit, je sais mon niveau, je sais où je vais être et tout. Je vous en parle dans une prochaine vidéo, soit elle sera déjà en ligne si je l'ai déjà tournée, donc je vous la mettrai dans le petit si elle est déjà en ligne. Mais si c'est pas le cas, elle va pas tarder, hein, parce que j'ai envie de vous préparer une vidéo donc où je vous annonce mon niveau et surtout comment préparer du coup sa rentrée quand on a comme ça un nouveau niveau, comment on s'organise. Je me dis que ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout, ça peut peut-être vous intéresser. D'ailleurs, je vais aussi vous préparer une vidéo, mon agenda de maîtresse, parce que vous avez été nombreuses à me la demander. Donc, elle est en préparation. Enfin, j'ai plein d'idées, surtout ce qui est planeur, maîtresse et tout. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. Bon, voilà pour tout ce qui est des yeux. J'ai rajouté ma petite touche là, en coin. Donc, ça fait une sorte de petit dégradé, un petit peu. Ça peut être sympa. J'ai juste rajouté, je pense, dans le coin externe, un peu de violet là, qui pète. Je me dis, ça peut être sympa. Bah elle est pas mal cette palette honnêtement, ça pète. Je sais pas du coup si je vais mettre des liners Fenty, je pense pas, je pense que je vais rajouter mon liner Better Than Sex, là, le fameux liner de chez Too Faced, le nouveau que j'aime beaucoup. Je vais mettre une petite couche de liner et après je vais mettre mon mascara Dior, le Dior Show, vous savez, Maximizer que je mets toujours en première couche. Et aujourd'hui je vais tester le Feel Stronger Volume et Longueur de chez Yves Rocher parce que je ne le connais absolument pas. Je l'ai reçu de la part de la marque mais pas forcément pour vous en parler en vidéo mais sur Instagram. Parce que oui j'ai des partenariats des fois sur YouTube mais aussi de temps en temps sur Instagram. Donc je vous parle un peu de ça et là à d'autres endroits. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas des partenariats absolument pas rémunérés. Donc je vais tester ça, comme ça je vais pouvoir me faire une idée sur ce mascara. J'ai jamais été trop fan des mascaras Yves Rocher, donc là, volume et longueur, c'est ce que j'attends. Je vais voir. Je sais plus ce que je vous disais, mais par rapport à mes cours, donc je vais vous préparer des vidéos maîtresses. Donc n'hésitez pas à mettre un petit emoji, stylo rouge ou crayon rouge dans les commentaires pour me dire si vous êtes archi motivé par ces petites vidéos ou pas du tout. Si ça vous intéresse pas du tout, ne mettez pas cet emoji. Mais si les vidéos maîtresses, contenu, cahier journal, agenda et tout ça vous intéresse, bah, mettez-moi un petit crayon rouge dans vos commentaires, comme ça je saurai. Et puis voilà, pour les partenariats, je suis toujours au clair, pour tout ce qui est dressily, etc. Moi, je vous dis toujours mes avis sincères, de toute façon, dans toutes mes vidéos, j'ai dit ce que je pense sincèrement, sinon je ne ferai pas des vidéos, hein, c'est pour mentir. En plus, vous êtes quand même assez nombreuses à me suivre et à régulièrement regarder toutes mes vidéos, avec, je reconnais vos petits pseudos en commentaire, mais du coup... je me dis que j'ai un devoir envers vous, comme un devoir envers mes élèves, de sincérité, honnêteté et de travailler correctement, donc voilà. Gros coup de cœur pour ce mascara, honnêtement. La brosse, elle ne vous rappelle rien. C'est vraiment le même style que le Better Than Sex. Vraiment le même style. Il est super fluide. J'ai mis deux petites couches. Honnêtement, je l'adore. Il donne vraiment de la longueur et du volume, ce qui est vraiment ce que j'ai besoin. Parce que honnêtement, en ce moment, j'ai des cils. Je vous explique même pas. Je sais pas si vous verrez. Mais j'ai vraiment des tout petits cils, moi. Hein. Ils sont vraiment pas grands. Vous voyez du coup le make-up de plus près. J'espère que ça vous plaira. Honnêtement, j'ai osé le néon. Je pensais pas du tout oser. Après, j'ai acheté cette palette, c'était pour me lancer. Les liners, je testerai la prochaine fois. Et sinon, je vous mettrai des photos sur mon Instagram, je pense. J'aime bien. Il me manque quand même une petite touche. Sur les lèvres, je vais mettre le NYX Candy Slick. Je sais que c'est un chouchou pour Hello de la chaîne Elodie Moitou. Mais moi, je l'ai testé déjà deux fois et je suis pas ultra fan. Je vais le retester aujourd'hui, comme ça je vais me faire une idée. Et je vous remettrai une petite annotation si vraiment je l'aime bien ou pas. Et je vous dirai aussi en barre d'infos si j'ai pas mis d'annotation. Et puis n'hésitez pas à venir si vous le connaissez et si vous l'aimez bien. Donc c'est vraiment une sorte de rose nude. Hein, donc pour aller avec ce make-up un peu chargé... Enfin chargé, plutôt très coloré, je me dis que c'est pas mal. En fait ce que j'aime pas c'est qu'il marque vraiment toutes mes ridules. Et moi j'ai énormément de ridules quoi. Et il est un peu pâteux.
C'est comme si vous mettiez, comment ça s'appelle? Un rouge à lèvres, vous savez, pas trop liquide, les rouges à lèvres mat, enfin, qu'on mettait avant, sans transfert, mais il est pas sans transfert, il est épais. Je sais pas trop quoi penser en fait de ce rouge à lèvres. Parce que c'est pas vraiment un gloss. Hein. Il n'a pas cet effet brillant. Après, il fait un beau rendu, mais de près, non. Je vais vous montrer. Vous voyez, de près, c'est pas formé, c'est pas uniforme de près. De près, clairement, c'est pas beau. Hein. Vous l'avez vu. Après, de loin, ça rend bien, ça fait un petit effet. Mais je trouve que sur moi, c'est pas beau. J'ai les lèvres trop abîmées pour ça. Peut-être que j'en mets trop. Peut-être qu'il faut juste en mettre une petite couche légère au doigt, comme ça. Je sais pas. Voilà pour ce petit make-up blabla, pour répondre à une question d'une de vous qui m'a beaucoup posé cette question sur les réseaux sociaux, pour tout ce qui est environnement, c'est vrai que j'en parle très peu, environnement, que ce soit dans ma classe et tout, dans ma future classe, et j'ai vu que dans ma nouvelle école, il y aura pas mal de questions sur ça, éco-responsabilité, prendre soin de l'environnement, tri des déchets, tout ça, donc ça, ça va être en cours, et je pense que je vous en parlerai dans une vidéo, dans ma classe, vlog dans ma classe, puisque je vais vraiment m'y pencher pour mes élèves, et du coup, ben, moi aussi je ferai, peut-être ça me changera quelques d'idées préconçues dans ma tête. Pour ce qui est des pinceaux BH Cosmétiques au niveau des yeux, bah, je les ai trouvés très bien. Je trouve qu'il manque quand même un pinceau peut-être... Enfin, ils sont pas mal parce qu'il y en a un que j'ai pu me servir en bas, il y en a un que j'ai pu me servir pour estomper, le biseauté, j'ai pu m'en servir très très bien. Non, ils sont pas trop mal. Je vais les laver du coup et je vous dirai aussi ce que je pense des pinceaux pour le teint de cette marque-là. Mais BH Cosmétiques, c'est tellement bien à petit prix que vous trouvez sur BeautyVille. Je vous mets les liens en barre d'infos, mais j'avais acheté aussi la palette Festival que j'ai testée hier et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc... elle est hyper pigmentée et tout pour 8 €, ça valait tellement le coup, donc bon. Voilà pour mes dernières infos, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai raconté. Si vous avez d'autres suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, ben, je vous embrasse très très fort. Salut, salut !